Les meilleurs succès des femmes modernes et leur provenance dans la vie pratique et moderne, et les femmes se sont avérées être un élément efficace et réussi dans tous les domaines et domaines. Et les femmes modernes ont prouvé qu'elles étaient des pionnières à la maison, au travail et dans la société. Dans la société. Les femmes et les femmes en général ont prouvé leur valeur par la participation des hommes à la société et leur entrée dans l'arène de la vie à travers tous les aspects de ce qu'elles ont accompli. Dans tous les domaines avec des succès impressionnants dans le travail d'une part et dans la vie conjugale. Le beau sexe, qui s'avère indiscutablement l'élément le plus fort en matière de planification, d'organisation, de mise en œuvre et de pérennité. Alors comment le regard de la société sur les femmes a-t-il changé au XXIe siècle et qui est l'individu moderne? Fait femme, socialement et émotionnellement. La formation de relations fructueuses qui leur permettent d'être indépendantes et pionnières dans tous les domaines. Il semble que ce dicton ait été brisé aujourd'hui. Grâce aux réalisations des femmes, qui ont été documentées dans divers domaines. Modernes, les femmes sont, elles, éléments productifs et en difficulté dans la vie domestique et pratique. Elles, hommes. Et la relation conjugale devient-elle un cauchemar pour la femme moderne? La relation conjugale entre elle, homme et la femme est basée sur elle, affection, elle, amour. La gentillesse et la miséricorde entre les époux, de sorte que chacun d'eux demeure pour l'autre. Et la coopération et la participation ont lieu entre eux dans la vie conjugale. La relation conjugale entre l'homme et la femme est basée sur l'affection, la tranquillité. La gentillesse et la miséricorde entre les époux. Et la vie conjugale, et le mari doit bien traiter sa femme, et la femme doit vivre avec son mari avec bonté. Et en faire un droit et une obligation pour elle envers son mari. Les droits de la femme avec son mari sont nombreux, y compris les droits financiers tels que la dot, la pension alimentaire et le logement, et des droits non financiers tels que l'équité dans le partage entre les époux, la cohabitation avec bienveillance et le fait de ne pas nuire à l'épouse. Et les droits de l'épouse sont basés sur son mari, ou en d'autres termes, ce que sont les responsabilités du mari envers sa femme, et vice-versa. La société et la loi garantissent le droit de la femme sur son mari, et les droits comprenaient les droits financiers suivants, tels que la dot, qui est l'argent que la femme mérite de son mari en contracté avec elle ou y entrer, et c'est un droit obligatoire pour la femme sur l'homme. La dot est pour la femme et pour son honneur. Et la dot n'est pas une condition dans le contrat de mariage, ni un pilier selon la majorité des juristes.